La carcasse de l'éolienne doit pas être adaptée à l'avance, il faut l'adapter au moteur. Calculer la largeur pour pouvoir mettre un cache moteur. S'il est trop petit, on est obligé d'avoir une éolienne sans cache. Très mauvais en cas de pluie. Donc mieux vaut adapter le cache au moteur que le moteur au cache. Je vais laisser quelques millimètres à droite et à gauche. Et avec un stylo, tracer un trait. Et composer ma pièce. Et je vais rajouter quelques millimètres en plus en rab que je raboterai après, une fois que le cache sera créé et posé sur le moteur. Ici, on va rajouter 0,5 ici et 0,5 ici. Voilà. J'ai mis à peu près 7. Et aussi à peu près 7. Cette partie sera à raboter, sauf si le cache dépasse. On a une petite marge de sécurité, ce qui permettra de faire une pièce à peu près propre. Maintenant, on va fixer le moteur dessus. On va mettre deux petites cales. Pour ça, il va faire calculer cette extrémité et l'autre extrémité en le mettant au bord de la planche. Ici viendra l'hélice. Regarde, il y a à peu près 4 cm. Donc, je vais tracer deux traits parallèles à gauche et deux traits parallèles à droite. Et dans le sens de la longueur, je vais mettre un petit tasseau de chaque côté pour fixer le moteur. Voilà, le gabarit est prêt. Au centre, un trou de 1 cm selon le roulement à billes qu'on va mettre pour mettre l'axe de rotation de l'éolienne. Et pour finir, on laissera 2 cm à l'arrière pour pouvoir installer la queue de l'éolienne. Une fois dessiné, le bois a été découpé à 6 sauteuses. Deux roulements à billes, un en haut, un en dessous, au milieu, bien sûr, le trou. On va faire de la largeur du diamètre 8 dans le bois et on va creuser autour pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur du bois. Après, une fois que ça sera fixé, on va mettre une grande rondelle bien centrée. Il ne faut pas que l'écrou touche la rondelle. Ici viendra le premier fil de l'alternateur et au centre, le deuxième fil de l'alternateur. Ce sera du courant alternatif. A été percé bien horizontalement, si on le tourne légèrement, on voit qu'il est bien centré. Pour éviter qu'il frotte, on va percer à 1, c'est-à-dire à 10 mm. On va prendre ce forêt-là, un gros forêt de 1 cm, et on va perforer.
Voilà, le trou de l'effet. Voilà, les morceaux sont découpés pour pouvoir les fixer ici, ici où on va le retourner. Une fois que la pièce est mise, collée, vissée par en dessous, on va pouvoir mettre le générateur qu'on a créé avec un petit moteur trouvé dans le commerce. On va faire deux trous dans le tasseau qu'on va fixer avec une vis à bois. Le générateur pareil sur ce tasseau qu'on va fixer à bois. Ce qu'il ne faut pas oublier, ces deux pièces seront collées que lorsque le roulement à vis sera fixé à l'intérieur de cette pièce, au-dessus et en dessous, avec le deuxième qui va en dessous. Seulement après, on pourra les coller.